D2i Investissement, c'est avant tout l'aventure d'une entreprise familiale. Je suis co-dirigeant avec mon frère Farid Dali. On a des rôles qui sont vraiment bien répartis dans l'entreprise puisque lui s'occupe de toute la partie technique. C'est déjà une lourde tâche et puis je m'occupe de toute la partie administrative, commerciale, juridique et gestion d'entreprise. D2i Investissement, c'est un promoteur immobilier implanté sur le Val d'Europe, spécialisé dans le tertiaire, même si le logement reste environ 20% de notre activité. Alors le Val d'Europe, c'est un secteur qui nous a intéressés depuis effectivement une vingtaine d'années. Son dynamisme économique, ses aménagements, avec des aménagements neufs, des routes neuves, sa fiscalité aussi qui est très attractive, et puis son bon vivre. Le programme Bailly Park est un pôle d'activité que l'on a choisi d'implanter dans la ZAC de Romainvilliers. Il est composé de 14 structures, 14 lots complètement individuels, complètement indépendants. Ces lots sont destinés à des artisans, des TPE et des PME. On y trouve des surfaces à partir de 120-130 mètres carrés. Alors en matière de prestations à intérieur, le programme Bailly Park présente des qualités assez particulières puisque déjà on a la possibilité de livrer du véritable clé en main. Donc le preneur a la possibilité de se faire livrer un local complètement aménagé. Il travaille directement avec nos architectes et en partenariat avec nos architectes et ce dès le stade de la signature. La livraison du programme Bailly Park est prévue pour la fin d'année, avec une livraison courant en décembre pour les premiers acquéreurs et début d'année 2017, janvier 2017 pour les derniers acquéreurs. La commercialisation du programme Bailly Park a été pour nous une belle réussite puisqu'actuellement sur 14 lots, 12 sont déjà vendus. On a aujourd'hui des réservations qui ont été faites par des entreprises du bâtiment, des entreprises de la maintenance, mais aussi des entreprises étrangères qui sont notamment dans le secteur du commerce. Le programme Tamaris, c'est une belle aventure. C'est un programme qui a été à l'initiative du SAN du Val d'Europe et de la mairie de Coupevray à l'époque, avec lesquels nous avons travaillé avec acharnement, je dirais, puisque c'était loin d'être un programme facile. Il consistait en la rénovation de la Villa Tamaris et en l'implantation, l'installation de médicaux et paramédicaux. Nous avons eu l'intervention des Bâtiments de France. Aujourd'hui, on peut considérer que ce programme est un vrai succès puisqu'on a entre 15 et 20 praticiens qui exercent et on a même dû construire un immeuble neuf face à la Villa Tamaris de façon à y implanter tous les médicaux. Nous sommes actuellement sur de nouveaux projets de pôles d'activité, un peu similaires à Bailly Park avec encore une fois de nouvelles idées à proposer. Nous sommes sur des projets tertiaires de bureaux dans le secteur du Val d'Europe, mais aussi dans le secteur de Marne-et-Gondoire. Et puis nous sommes aussi dans le secteur de l'hôtellerie puisqu'on nous livrons un hôtel dans 18 mois dans une commune voisine.